Bonjour. J'ai déplacé le poêle à bois d'un endroit plus exposé au vent et aujourd'hui on est chanceux. C'est une belle journée fraîche. On se croirait en octobre, fin octobre, alors qu'on est autour de la mi-mai. C'est ça. Fait que là, on est chanceux, il y a une bonne brise qui va être bonne pour déplacer les poussières loin du lieu de travail. Et puis, comme ça, on a moins de chances d'aller respirer. Ça fait que pour procéder, la sécurité avant tout, ça va vous prendre une visière de protection. Parce que on va utiliser on appelle ça là, des wire wheels, une brosse à poils métalliques. Normalement, vous pourriez faire ça avec une perceuse ordinaire. Voilà un autre genre de modèle. Une perceuse ordinaire révolutionne à quelques centaines de tours à la minute. Nous allons utiliser ce qu'on appelle une meule angulaire ou un grinder en anglais. Cela tourne autour de, je dirais, entre 10 000 et 15 000 tours à la minute. À cette vitesse, c'est connu qu'à certains moments, les petits poils de métal peuvent se détacher et voler à très grande vitesse. C'est pour ça qu'il va falloir être très prudent, porter protection pour les oreilles, parce que la machine est très bruyante. Protection pour les yeux, parce que si vous recevez une de ces broches en métal dans la figure ou dans un œil, cela va ruiner votre journée, je vous le garantis. Et puis des gants de protection. Ça fait qu'on va installer ça, on va commencer à sabler, ben sabler, à passer la brosse métallique. Puis on s'installe et on commence.
comme vous pouvez constater, la brosse métallique fait rapidement le travail et enlève la rouille superficielle avec une bonne efficacité. Ça fait que je vais continuer à faire le tour. À cette vitesse, je devrais avoir fini, je dirais, une heure et demie peut-être.
Bon, je pense qu'il va falloir que je change ma brosse. Donc, vous voyez, elle a perdu beaucoup de ses poils métalliques. Et quand je vous dis qu'il faut des vêtements de protection, parce que les petits poils revolent partout, ce qui est très dangereux, j'en ai trouvé. Ah, regardez là. J'en ai de pris dans mes pantalons. On a un là, un autre là. Dont la nécessité d'avoir des vêtements de protection. Imaginez que ça vous arrive dans un œil ou dans le visage. Vous allez avoir une bien mauvaise journée.